Clément Jeannequin, né vers 1485, mort en 1558. Prêtre et musicien, Clément Jeannequin a composé des centaines de chansons populaires à la Renaissance. Elles étaient si célèbres qu'on les chantonnait alors dans toute l'Europe. Clément Jeannequin est l'inventeur de la musique descriptive. Mai 1556, rue de la Sorbonne à Paris. Clément Jeannequin sort se promener pour profiter du soleil printanier. Sur une petite place, un groupe de chanteurs donne la sérénade. Le vieil homme dresse l'oreille. C'est un de ces airs que l'on joue. Ravi, il s'approche pour mieux entendre. Le XVIe siècle est vraiment une époque formidable, pense-t-il. Venu d'Italie, la mode du madrigal a conquis la France. On raffole de ces chansons dont les interprètes reprennent les paroles en canon. Grâce à l'invention de l'imprimerie, les partitions circulent à travers le pays et même au-delà des frontières. C'est ainsi qu'un compositeur a parfois la surprise d'entendre une de ses œuvres dans la rue, comme Clément Jeannequin aujourd'hui. Un canon, c'est un genre musical dans lequel plusieurs chanteurs chantent la même mélodie, mais avec un décalage dans le temps. Dans le canon, le plus simple, chaque nouvelle voix entre sur la mélodie à un endroit convenu. Le canon peut ainsi continuer à l'infini. Les chansons Frère Jacques et Vent frais, vent du matin se chantent en canon, par exemple. Clément Jeannequin a appris à chanter lorsqu'il était enfant de chœur à l'église. Puis il est devenu prêtre et compositeur. Depuis, il a voyagé et eu beaucoup d'emplois. Enfin, à près de 80 ans, il est devenu compositeur ordinaire du roi. Il compose des chants sacrés, des messes, des psaumes. Mais les plus chers à son cœur sont ses chansons qui expriment les joies et les peines de l'existence. Il en a écrit plus de 400 et on les chante dans toute l'Europe. Elles parlent d'amour, de meunier, de berger, de bergère. Dans l'une d'elles, il s'est amusé à mettre en musique tous les cris de Paris. Dans une autre, le vacarme des combats de la bataille de Marignan. Comme Ronsard ou Clément Marot, les poètes de son temps, Clément Jeannequin aime jouer avec les mots, mais lui, il les met en musique. Le chant des oiseaux est une des chansons préférées de Jeannequin. Il l'a écrite pour quatre voix. Elle est toute simple avec un refrain et quatre couplets. Le premier est consacré aux oiseaux en général, le deuxième aux sansonnets de Paris, le troisième aux rossignols et le quatrième aux coucous. Clément s'est beaucoup amusé à trouver les onomatopées correspondant à chaque oiseau. Dans la rue, l'ensemble vocal commence justement à la répéter. Tour à tour, chaque interprète entre en scène et reprend la chanson au début. Les paroles se répondent et se superposent comme les trilles des oiseaux dans les arbres. Jeannequin sourit, ému, celle-ci est vraiment réussie. Dans cette chanson, tu peux entendre quatre voix, de la plus aiguë à la plus basse. Une soprano, une alto, un ténor et une basse. Elles chantent a cappella, c'est-à-dire sans accompagnement d'instrument. Écoute les onomatopées qu'a trouvé Clément Jeannequin pour évoquer le chant de chaque oiseau. Tu 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 huit 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 coqui 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 ticoun 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 fit 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 fit. Sauras-tu retrouver les autres? Je suis jolie, 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 je suis jol
Amen.